Ben Laurent, tu t'es fait piquer par une bestiole? Oui, cette nuit. Un moustique ultra balèze, hein. Un moustique polynésien, quoi. Ben, Philippe, toi aussi? Ah ben non, c'est mes grosses couilles. De la nourriture. Une épreuve épique. De la nourriture. De l'émotion. De la nourriture. Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta la légende? Eh bien, laissez-moi vous faire un résumé parodique à ma manière. Bienvenue dans... On attaque cet épisode avec Sam et Loïc qui crèvent la dalle. Du coup, on va passer tout le début de l'épisode à se demander si les aventuriers vont manger un petit peu plus que d'habitude ou pas. Ah la vache, ça démarre sur les chapeaux de roue! Attachez vos ceintures! Heureusement, les téléspectateurs seront sauvés par la bouteille annonçant le jeu de confort. C'est l'heure de l'épreuve! Petite particularité, toute petite particularité, cette épreuve de confort est éliminatoire! C'est les règles de Denis. Parcours, corde, libération. Ah bref, on s'en fout, vous verrez. Le mieux, c'est la fin. Vous allez devoir mettre des boules dans un trou. Pas les miennes. Et pas le mien non plus, d'ailleurs. Et à la clé, une douche, des produits naturels, un massage, un lit douillet, des gâteaux, des bananes, du chocolat. Oh, moi, j'adore les produits naturels. Tout ce qui est huile de coco, l'huile de ricin, la crème d'avocat pour les mains, la crème de papaye pour les pieds, la poudre de phosphore, l'huile de jojoba. Pour les cheveux, je vous conseille l'huile de romarin. L'huile d'olive aussi, ça marche bien. Pas l'huile de tournesol, par contre, ça, c'est pour les frites. Pour le visage, le beurre de coco, il n'y a rien de mieux. Quoique la mousse de noisette aussi, c'est bon, elle m'a cassé les couilles. L'épreuve devient éliminatoire. Hein? Sache, petite, que premièrement, on ne me coupe pas la parole. Et petit B, surtout pas pour me raconter tes trucs de bonne femme. Elle m'a abîmé la peau! Filez-moi du beurre de coco, vite! Et la victoire est pour Claude! A noter que c'est sa 21ème victoire en individuel. Et c'est Loïc qui est malheureusement éliminé, alors qu'il avait parfaitement géré la première partie de l'épreuve. Grand moment d'émotion pour lui et ses coéquipiers. Le mec le plus gentil de l'aventure qui s'en va, c'est dégueulasse. Alors que cette connasse d'Alix est toujours là. Et respecte-moi. Vraiment désolé. Mais quand je vois cette mauviette de Philippe qui est encore là. C'est moi. Pardon mon Fifi, j'ai rien contre toi. Mais quand je vois que Hugo est encore là. Bah quoi? Sérieusement, Loïc qui s'en va alors que t'as vu ta coupe de cheveux. Cheveux? T'en fais pas Claude, je vais me relever, je suis quelqu'un de fort. Pour le confort, Claude décide d'emmener Laurent, sans surprise. Ils sont tous les deux accueillis sur le lieu de la récompense par une guide locale. Bienvenue chez moi, les garçons. Vas-y, Laurent, demande-lui son numéro. Excusez-moi, est-ce que par hasard vous auriez un 07? Non, désolé, je suis contre les téléphones. C'est pas grave, dis-lui qu'elle est jolie. En tout cas, vous êtes très belle, mademoiselle. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Bah quoi? Très belle? Ça veut dire saucisson en polynésien. Bah en tout cas, c'est magnifique là où tu vis. Oui, oui. C'était quand même plus joli avant la déforestation. Cool. Le gros malaise. De l'autre côté, on déplore le départ de Loïc. Il laisse un énorme vide sur le camp, mais surtout un énorme vide dans le cœur de son ami Sam. Mais heureusement, Loïc n'est pas totalement éliminé. Bah, en 2 semaines, vous avez pas oublié les panneaux quand même. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Bah, pas d'omelette. Hé, bonjour, je suis le panneau. Putain, même là, tu sers à rien. Moi, au moins, je convoque les candidats aux épreuves. Et je leur pose une énigme. Dis plutôt que c'est le papier que t'as dans le cul qui fait tout le boulot. Bon, la rengaine habituelle. Il rejoint donc Christelle sur l'île des Banini et elle lui explique comment ça se passe. Donc, retour sur le camp et ça parle encore de bouffe. Et sans déconner, on dirait moi dans la vie de tous les jours. Il décide donc de se faire un festin à base de pâtes, histoire de changer du riz. Super séquence. Bon bah vu que tout le monde se fait chier, on retourne prendre des nouvelles de Claude et Laurent, qui sont tout beaux et tout propres, prêts à se faire chouchouter. C'est l'heure du massage les garçons. Oh oui. Je vous présente Sulfura la masseuse. Ah cool. Allez-y, installez-vous. Ah, hésite pas à y aller Sulfura. J'aime bien les massages avec de la poigne. Je suis pas trop fan des caresses. Ouais, comme ça. Ouais, plus fort. Ouais, vas-y, plus fort.
Ouais, nickel comme ça. Vas-y, plus fort. Hésite pas, ouais, j'adore. Oh, ouais, nickel, vas-y. Là, casse-moi l'épaule. Je me sens mieux. À ton tour, mon Lolo. Et attention, Sulfura. Va pas te casser la main sur ses gros muscles, hein. Ça, mon Lolo, hein. Bon, en vrai, j'exagère, hein, ça s'est pas passé comme ça. Comme toutes les scènes que je fais, d'ailleurs. Après le massage, gros festin pour nos deux loustiques. Et oh, c'était top chef ou Koh-Lanta ? C'était couillu, mais c'est du génie ! Au-delà de manger, c'est aussi l'occasion pour eux de discuter stratégie. Ils décident de dévoiler l'existence de leur collier aux garçons. Mais pas aux filles. Boy power ! Hein ? Le lendemain matin. Allez hop, petit déjeuner ! Et sérieux, moi qui suis au régime en ce moment, je peux vous dire que cet épisode, je l'ai mal vécu. Sur le camp, Sam prend les choses en main en l'absence de Claude et pêche le plus gros poisson de l'aventure. Alors, c'est qui le patron ? C'est Claude. Et comme ça ? C'est Claude. Il s'ouvre vachement, il porte un chapeau, il est beaucoup plus lui-même. Il prend de l'assurance et c'est beau à voir. En gros, elle dit que Sam, il a plus d'assurance parce qu'il a un chapeau. N'importe quoi. Convocation à l'épreuve d'immunité. L'épreuve de l'équilibre sur l'eau. Épreuve mythique, encore une fois. En gros, c'est une épreuve en 5 ou 6 étapes où tu dois traverser des rondins de bois, des échelles, des conneries comme ça, en tenant en équilibre. Phil et Alix sont éliminés à la première étape du parcours. Ensuite, accrochez-vous bien. C'est Claude qui est éliminé à la deuxième étape. C'est une épreuve que j'ai déjà remportée 2 fois. Je suis donc le grand favori et prêt à l'assumer. J'ai pas trop envie de vous parler là, ok ? C'est Laurent et Hugo qui se retrouvent en finale et qui doivent se retaper tout le parcours pour se départager. Finale ultra serrée qui s'est jouée au sprint final. C'était tellement épique et serré que je vous ai fait une reconstitution de la scène. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yeah ! Vous l'avez compris grâce à ma reconstitution ultra fidèle et réaliste, c'est Hugo qui l'emporte et qui devance Laurent d'une 1/10 de seconde. Retour sur le camp et les gars discutent de leur stratégie. Le vote se joue donc entre Jade et Alix. Claude et Laurent la jouent encore une fois grand seigneur et font croire à tous les gars qu'ils vont jouer leur collier au conseil parce qu'ils en ont envie et pas parce qu'ils y sont obligés. Bon les gars, je vous explique. On a trouvé des colliers d'immunité avec Lolo. Et pour vous prouver que vous n'avez rien à craindre de nous, on va les jouer dès ce soir. Donc si un jour il vous prend l'envie de nous la foutre à l'envers, repensez bien à tout ce qu'on a fait pour vous. Mais non Claude, t'as oublié que les colliers on doit les jouer ce soir. C'était écrit sur le papier. Oh ! 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 Excuse, t'avais un puceron sur le front, et je l'ai raté en plus. Jade se doute qu'il se passe quelque chose. Puisque d'habitude, les gars viennent lui parler avant le conseil. Et là, comme de par hasard, personne ne vient la voir. Ça va, Laurent ? Tout va bien, Claude ? Il y a un oiseau. Sam ? Philippe ? Bah comme tout le monde se casse, moi je me casse aussi. Eh oh putain ! Je sens le boursin ? Denis ! Alors moi je reste, mais à une condition. Tu me parles autre chose que de produits naturels. Voyons voir ce que ça donne au conseil. Mais avant ça, pub ! Attention, information strictement confidentielle. Le district le plus dangereux du monde rouvre ses portes. Ah putain, comment j'ai trop hâte ! Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité ? Oui, moi Denis. Oui, moi aussi, Denis. Moi aussi, Denis. Mais n'importe quoi, pas vous. Ah bah non, pas moi.
C'est Alix qui est éliminé et qui rejoint l'île des Banini. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Koh-Lanta la légende et également cet épisode de Preview Seal. Un épisode pas ouf. J'espère que ça va finir en boulet de canon parce que mine de rien, la fin approche. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu en as pensé. N'hésite pas également à me dire ce que tu as pensé de cet épisode de Preview Seal. Et encore un énorme merci à toutes celles et ceux qui me suivent. À lundi!